Match émouvant. Raccoon essaye de voler le ballon, mais quitte l'esquive et le passe à Monkey qui le rattrape le panier. Bien joué les enfants. Le docteur Spooky et son armée de Spookers. Comment? Ils veulent jouer? J'ai des hauts le cœur. Oh non! Qu'est-ce que vous voulez? Veulent le terrain pour eux seuls. Hors de question. Le terrain est à nous. Faisons un match. Le gagnant garde le terrain. Prêt? C'est parti. Groovy prend le ballon. Mais un spooker tente de le lui voler. Kit est seul. Groovy lui passe le ballon. Mais attention, un autre spooker approche. Kit fait une passe entre ses jambes et Raccoon marque. Tiens, tiens, que trame le docteur Spooky? C'est un ballon robotisé, ça. Le spooker dribble avec le ballon et avance à toute vitesse vers le panier. Raccoon essaye de l'arrêter, mais Kit a intercepté sa passe. Allez, Kit. Kit fait un lancer et... Comment? Le ballon s'est arrêté en plein air.
C'est le docteur Spooky. Il le contrôle depuis sa tablette. Non, il l'a déplacé vers l'autre panier. Mais maintenant, il n'arrête pas de marquer des paniers. Il faut faire quelque chose, les garçons. Ils vont gagner. Monkey a une idée. C'est ça. Monkey a détruit le ballon du docteur Spooky. Dis adieu à ton plan, docteur Spooky. Ou peut-être que... Oh, il appelle ses spookers. Que vas-tu faire de ces outils? Des baskets neuves? Je ne crois pas que ça suffira pour vaincre notre équipe. Et donc, les spookers ont des baskets à propulseur. Et maintenant, ils peuvent voler. Arrête les raccoons! Oups! Peut-être que Kit peut les arrêter. Mince! Apparemment, il ne peut pas non plus. Allez, Groovy, on compte sur toi. Oh, oh! Oh, ce n'était pas ta meilleure passe. Oh non, un autre panier. On va avoir du mal à gagner des points. Il ne faut jamais baisser les bras. Même si parfois, il vaut mieux se retirer à temps. Navré, mais le plan du docteur Spooky fonctionne. Il fonctionne très bien. Allez, Kit, réfléchis. Groovy s'est transformé en aimant. Qu'allez-vous faire, les enfants? Oh, génial! Monkey chasse les spookers avec son aimant. Attention, Kit! Il y a deux spookers derrière toi. Mais Groovy et Monkey les rattrapent. Et panier! Ça va être du gâteau. Wow, le docteur Spooky arrive. Tu ne peux rien faire sans tes pièges. Pourquoi tu ris, docteur Spooky? Il ne reste que 10 secondes de match et la différence de points est encore importante. Il faut marquer, et vite! Allez les enfants, vous allez y arriver. Il n'y a plus qu'un panier de différence. C'est pas vrai, docteur Spooky. Allez, raccoon. Allez, elle y est. Attendez, le ballon remonte. Kit a mis le dernier panier à la dernière seconde. Bravo, vous avez gagné le match. Vous êtes les meilleurs. Même le docteur Spooky sait que vous formez une super équipe.
Quelle belle journée ensoleillée. Les oiseaux chantent, le soleil brille et... Raccoon cherche quelque chose dans les buissons. Tiens, un ballon. Non, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Ah ah, c'était un œuf de Pâques. Je comprends maintenant. C'est une chasse aux œufs de Pâques. Et tout le monde participe. C'est très amusant. Quand ils auront trouvé le dernier œuf, Granny leur fera un cadeau. En route. Quel étrange moustique. Docteur Spooky, encore toi? Comment? Un dinosaure? Un dinosaure qui crache du feu? Tu es vraiment très méchant, Docteur Spooky. Dinosaure crache du feu, un bébé dinosaure et... œuf de dinosaure. Oh non, le docteur Spooky est dans son laboratoire. Mais que fait-il? L'œuf de dinosaure. Le docteur Spooky va remplacer l'œuf de Pâques violet par l'œuf de dinosaure. Oh non! Attention, Monkey. Écoutez tous, grand-mère Granny. L'œuf s'est ouvert, le dinosaure a avancé vers la maison et le dinosaure a secoué la maison. Le dinosaure est là. Oh oh, il se dirige vers Monkey. Attention! Quoi? Oh, le bébé dinosaure veut simplement jouer. Passe-lui le ballon, Monkey. Quel bon tireur. Comme il est mignon. C'est l'heure de découvrir le cadeau de grand-mère Granny. Mais une minute, il n'est plus là. C'est un lapin de Pâques. C'est le docteur Spooky qui l'a. Au fond, même lui a son côté tendre. Quelle belle journée. Les fleurs admirent gaiement le soleil et de superbes papillons se posent sur elles. Quoi? Une minute. Pourquoi tout devient soudain gris? D'où vient toute cette fumée? Ah, regarde en haut, petit papillon. Tout est pollué. Voici nos amis de l'équipe Super Zoo. Ah ah, je m'en doutais. C'est bien l'œuvre du méchant Dr. Spooky. Il est là, ce vilain bonhomme.
Allez, on descend au laboratoire. Il faut trouver une solution. Kit, voyons ce que propose ton super ordinateur. Je crois que je vois où tu veux en venir. Il faut boucher le pot d'échappement du vaisseau. C'est comme ça que le nuage de fumée disparaîtra. Quelle super idée! Aux capsules de transformation. Monkey. Cathy. Une minute, vous devez vous protéger. La pollution ne vous atteindra pas dans cette bulle. Ça y est, équipe Super Zoom. Ah ah, voici le vaisseau du Dr Spooky. Il a même des pop-corn pour observer son horrible spectacle. Attrapez-le. Oh oh, le Dr Spooky libère ses mignons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Cathy? Jeter les pièces en bois sur les mignons? Quelle bonne idée! Oui, on l'a réussi! Récapitulons. Il faut boucher le pot d'échappement avec une des pièces de bois. Parfait! Monkey lance Cathy vers le vaisseau du Dr Spooky. Et Cathy atterrit après un superbe lancer pile sur le pot d'échappement. Mission accomplie. Ah ah, Dr Spooky, tel est prix qu'il croyait prendre. Bon vent, vilain monsieur. Mais il reste encore un petit détail. Allez, Granny, utilise ta magie. Les bulles magiques de grand-mère Granny dissolvent la pollution. C'est féerique. La nature est de nouveau pleine de vie, comme elle doit être. Fais-nous une bulle géante, Monkey. À la prochaine, Dr Spooky. Le Dr Spooky fait un pique-nique. Burk, il va manger un hamburger plein de gras. Oups, plus maintenant, on dirait. Il est bon, ce milkshake? Non, non plus. Vous croyez qu'il finira par manger cette glace? Même pas en rêve. Et donc, le Dr Spooky n'aime pas du tout la nature. Et la nature n'aime pas du tout le Dr Spooky. Tiens, pourquoi il appelle son robot? Une minute. Le Dr Spooky arrache tous les arbres de la forêt avec son robot. Oui, Granny, tu as bien vu. Le Dr Spooky fait encore des siens. Allez, équipe Super Zoom, il faut l'arrêter. Kit, montre-nous la solution sur ton ordinateur. Ah ah!
L'objectif de Cathy et Monkey, c'est d'appuyer sur ce bouton pour contrôler le robot. Aux capsules de transformation. Monkey. Voilà le Docteur Spooky. Attention! Non! Comment? Une minute? Génial! Monkey a rattrapé les arbres. Maintenant, on va protéger l'environnement. Bien visé, Cathy. Au revoir, Docteur Spooky. Génial, Cathy. Tu es la meilleure. Pas encore, Docteur Spooky. Voilà le bouton. Ne le laissez pas s'échapper. Ils t'ont eu. Allez, Cathy. Il est temps de redonner vie à cette forêt. Il faut reboiser. Debout, monsieur le robot. Il faut réparer tout ce que le docteur Spooky a détruit. Arbre après arbre, la forêt redevient ce qu'elle était. Et plus aucun humain malfaisant ne lui fera de mal. Avec un peu de tendresse, tout redevient comme avant. Et l'équipe Super Zoo a encore gagné. La nature est sage. C'est pour ça qu'il faut prendre soin d'elle. Aujourd'hui, on va à la plage. N'oubliez pas la crème solaire, les enfants. Quoi? Oh! Mais que fait le docteur Spooky ici? Il a lâché ses insectes robots. Et il jette des puces électroniques sur la tête des gens sur la plage. Qu'est-ce que tu mijotes cette fois? Il a une baguette de chef d'orchestre. Oh, il peut contrôler ceux qui portent une puce avec ça. Qu'est-ce qu'il est méchant? Il oblige les gens à salir la plage. Non, les enfants, ne jetez pas de déchets. Mais enfin, que tu es méchant, Docteur Spooky. Non, 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 on doit faire quelque chose. Quel désastre! Le Docteur Spooky est en train de détruire l'environnement. Que quelqu'un en empêche! Super! L'équipe Super Zoo arrive! Ah ah! Si tu arrives à enlever les puces à ces gens, ils n'obéiront plus aux ordres polluants du Docteur Spooky, aux capsules de transformation. Monkey! We'll be right back.
Cathy. Maintenant, on va protéger l'environnement. On va te donner une bonne leçon, Dr. Spooky. Monkey et Kangoo ont construit un trampoline pour atteindre le Dr. Spooky. Quelle bonne idée! Attrape-le, Kangoo. Il faut lui prendre cette baguette. Quoi? Pourquoi tu veux faire le portrait du Dr. Spooky, Kangoo? Quel frimeur! Ah, je comprends mieux. Tu essayes de le distraire. Monkey a remplacé sa baguette par une banane. À plus tard, Dr. Spooky. Allez, l'équipe Super Zoo, il faut retirer les puces électroniques à ces gens avant que le Dr. Spooky ne les rattrape. Maintenant, c'est Cathy qui est aux commandes. Et elle va faire en sorte que les mignons l'aident aussi à nettoyer la plage. Mais où peut-on jeter les déchets? Kangoo a la solution. Le verre dans la poubelle verte, le papier dans la bleue et le plastique dans la jaune. C'est l'heure de recycler. Allez les enfants, il faut nettoyer la plage. Et le Dr. Spooky ne peut rien faire pour vous en empêcher. La prochaine fois, tu y réfléchiras deux fois. Ils mettent tous la main à la pâte et la plage est toute propre. N'oubliez pas de le faire, vous aussi, quand vous irez passer une journée à la mer, les enfants. La planète vous en sera éternellement reconnaissante. Mais il reste un dernier détail. Bon vent, Dr. Spooky! Ça fait du bien de prendre soin de notre planète.